c'était ça le défi du film, c'était que c'est un scénario qui est vraiment axé sur un sentiment, c'est-à-dire sur la tendresse. Qu'est-ce que c'est que la tendresse? C'est plein de choses, la tendresse. Ça peut être un regard, ça peut être un silence, ça peut être une façon de toucher l'autre. C'est tous ces petits gestes au quotidien qu'on emploie, parfois sans s'en rendre compte, juste pour rassurer l'autre, pour montrer à l'autre qu'on est présent et qu'il compte et qu'on le respecte et qu'on l'aime, même si on n'est plus dans une histoire de passion et d'amour et de couple. Et il y arrive, oui, parce que oui, le film ne tient qu'à ça, que sur cette petite chose-là, de tendresse. Ben c'est une force, c'est un danger, c'est un défi, parce que c'est difficile d'en parler, de dire aux gens, vous allez aller voir un film, il ne se passe rien de spectaculaire. Il se passe que des petites choses au quotidien, banales, mais elles sont belles, elles sont émouvantes, elles sont drôles, elles sont légères. Et elles sont essentielles aujourd'hui quand on veut parler de l'âme humaine. Et la musique, c'est vraiment très belle. Ponctue très bien les moments du film à certains moments sans être pesante et ne rajoutant pas une certaine mélancolie, puisque le film a vécu quand même aussi une certaine dose de mélancolie. Et de, voilà, la musique ponctue et je trouve donne beaucoup d'air au film.